pour rentrer, kilomètre 34,6. Bientôt arrivé. Et avant ça, il y a une dernière côte. Et c'est la plus dure. La plus dure parce que le sol, c'est des cailloux merdiques, hein, comme ça, qui tiennent pas sous les roues. En plus, c'est en plein cagnard, quoique là, c'est en train de se couvrir, ça va. Et elle va là-haut. Remarquez, je suis pas obligé de la prendre, hein, je peux aller par la route. Le casque, il est pas serré. Et cette côte va m'amener au cimetière de Réveilla, commune de Martigues. Elle va m'amener à passer au cimetière. Voilà la côte en question. Là ça passe, hein. C'est mouliné très vite et ça passe. Voilà, j'arrive enfin au sommet. Qu'elle est raide en plus. Vous voyez les cailloux qu'il y a là? C'est merdique. Le cimetière, il est là-bas. Voilà, je vais longer le cimetière et direct la maison. Après cette petite descente. Je vais prendre 20 mètres de route. Je laisse tourner là, pour ceux que ça intéresse. Pour pas se louper ou prendre le petit chemin qui va au cimetière. Voilà, ça n'a pas été long la route. Hein. Et droit devant. Je vais bien accrocher quelque chose. Là il y a un petit passage, ça passe bien, pas la peine de s'arrêter, sauf s'il y a une voiture. Cimetière de Réveilla, avec depuis un ou deux ans le crématorium aussi, de Martigues. Intéressant la visite guidée. Cimetière, l'entrée est là-bas. C'est ouvert, c'est normal, c'est dimanche. J'ai ouvert toute la semaine. Et le centre funéraire, c'est le crématorium. Ici,
chemin de Château-Perret, ça va à Port-de-Bouc. Et bon, c'est goudronné jusqu'au rentre, là, et après c'est fini. J'ai failli louper le chemin. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est longtemps qu'on n'est pas passé là. La fin. La paix encore. Bon ben voilà, moi je suis arrivé dans 5 minutes. J'espère que ça vous a plu, puis surtout j'espère que les images seront mieux qu'avec l'appareil photo. Enfin, ça vibre moins, c'est ça surtout. Voilà, à la prochaine.